Vous êtes sur RTL. Monsieur Rioux revient de Fort Boyard, il est très en forme, ça s'est passé comment ? Ah bah c'est fidèle au mythe, hein. C'est vraiment une journée extraordinaire. En plus la fin du tournage a lieu la nuit maintenant. Donc on a quitté le fort vers minuit et demi. Et pourquoi un jour on ne créerait pas une équipe des grosses têtes sans le Fort Boyard ? Sans moi. Et vous serez le capitaine Laurent évidemment. Allez, on fait le casting. Mais qu'est-ce qui vous en fait faire à vous alors ? Ah, on n'a pas le droit, on a signé clause de confidentialité, hein. Il faudra regarder France 2 Laurent cet été. D'habitude quand on voit France 2 on fait que vous voir. Donc là pour une fois un petit peu de nouveau, un peu de jeunesse, un petit peu de nouveau visage Laurent. Eh ben. C'est le retour de la boule à Fort Boyard. Hein. Eh, dites donc, on ne peut pas faire comme Vincent Lambert, le débrancher, lui. Monsieur Rioux. Il y avait Jérémy Ferrari, d'ailleurs, qui m'a fait passer un message. Il vous aime d'amour et il a beaucoup de respect pour vous. Oui, lui. Parce qu'il doit énormément de choses. Non, c'est vrai. On a beaucoup parlé dans le train. Et vous, alors, vous pourriez quand même au moins nous dire une petite épreuve que vous avez pu faire à Fort. Alors, ça a été dur. Hein. Ça a été difficile, mais c'est ça le. Non, mais une. Mais non, on peut pas, parce que sinon. Non, mais ça a été. Sinon quoi, ils vont pas mettre la bénédiction à la poubelle. Non, mais j'ai. Tandis que sinon, ici, vous êtes viré. J'ai été confronté au père Fouras. Alors, il est comment ? Alors, il est adorable. En plus, il a été bienveillant avec moi. Mais je peux pas dire si j'ai gagné l'épreuve ou pas. D'accord. Mais en tout cas, je me suis retrouvé. Mais je vous demande pas si vous avez gagné. Ta gueule, Yann ! Ferme ta gueule ! Je peux vous dire que j'ai eu des choses à manger. Voilà, tout ce que je peux des insectes. Ça se voit.